Et moins de pression d'air. Alors, ça commence ici. Hop. Ça monte. Voilà. Je l'accrocherai après. C'est là. Voilà. Là, je rabattrai le capuchon à droite. Et là, il y a la vis de réglage. Ici. J'ai fait le tour de notre moniteur. Je me suis mis à 6 bars. Et sur ce circuit-là. Là maintenant je suis en train de régler le capteur. J'ai la continuité de courant électrique. Normalement, c'est dans quel sens je visse. Une couille, ça s'allume pas. Ah, je suis bête, ça s'allume pas parce qu'il n'y a pas les fils sur l'ampoule. Non, vraiment. Ok, bah, je vais mettre les fils. Hein. Je vais pas toucher, je vais voir. Bon, je l'ai rebranché. Il y a la pression, ça devrait s'allumer, ça s'allume pas. Donc là, je suis en train de défaire ça. Allez, d'accord. Mais d'accord. Ok. J'ai compris. Il n'y a pas d'ampoule, quoi. Ok. J. Rocher 24/30 volts. Oula. Aïe, aïe, aïe. Ouais, en fait, j'ai déplacé la petite patte en forme de S. Avant, elle était sous l'écrou, je l'ai mis au-dessus. Comme ça, elle est plus haute. Ce qui permet d'enfoncer un peu plus loin l'ampoule. Parce que les nouvelles pattes là, de cette nouvelle verrine, elles sont plus hautes. Le S est plus large, un peu haut que les anciens. Voilà. On va voir si ça va mieux le faire. Et voilà, j'ai pu enfoncer l'ampoule jusqu'en butée. Oui, en butée. Jusqu'à temps que ces petites appendices sur les côtés puissent passer dans le cran. Bon là, je vais devoir utiliser mes deux mains pour maintenir la patte. Et que maintenant, la patte n'est plus maintenue latéralement par les encoches de la verrine. Alors, bon, j'ai utilisé un peu le compresseur, il reste 4 bars. Ah, bah tiens, voilà. Déjà, ça s'allume. Ça,
C'est bien. C'est comme ça que ça doit marcher. Je sais pas si le réglage est bon. Il y a l'huile. Téléphone comme ça, je vais essayer de régler le témoin, enfin le capteur, pour que ça s'éteigne vers 4-5 bars là. Ok, donc là je l'ai éteint, ça veut dire qu'on peut rouler. Là je revisse, ok. Bon, là je dévisse, et là, ah. Ouais, c'est un peu... Ok. Admettons, je freine une fois. Ok. Je sais pas à combien on est. Pas que ça s'allume tout le temps non plus. C'est pas mal, hein? Plutôt 4. Allez, là, je vais faire en sorte que ça s'éteigne. Et voilà. Et je revisse un tout petit peu. Et voilà. De pression derrière là. Maintenant, je vais arranger un peu. Et voilà, il est là. Relié au nouveau porte-fusible qui pourra recevoir d'autres dipôles. Et voilà, c'est installé.